pleine main et à plein nez. Poser les lèvres sans attendre, briser la glace et s'enivrer. Y a des formes qu'on n'oublie pas, en cristal d'arc ou de bohème, galbé d'eau du ou le pied plat, dès qu'on les regarde, on les aime. Elle était chouette cette robe, elle tenait bien en valeur. Je comprends pas pourquoi tu l'as pas prise pour ce soir. Tu parles, c'est pas moi qui ai de mon valeur, c'est ce qu'on voit à travers. J'oserais jamais porter un truc pareil. Surtout pas ce soir, c'est tellement important pour demain. À mon avis, t'as tort. Et puis, il faut savoir assumer sa féminité. Je sais que tu fais ça très bien. À propos, te demandez-vous de dire ça? J'ai pas de chance avec les hommes. Au téléphone, il était déjà au restaurant. Au resto, il nageait dans mon lit. Et puis, une fois au lit, on avait à peine commencé que... T'as besoin d'un café, j'ai besoin d'aller au toilette. Oui. Oui, ma chérie. Oui, mon minou. Je rentre tôt ce soir. Bien sûr, mon petit canard. J'ai pas oublié les courses. Au revoir, ma vieille truie, mon bébé d'amour. Il faut que j'aille travailler, là. Mon crapaud baveux. Ah, les femmes. Tu m'attends, il faut que j'appelle Thomas. Café? Oui. C'est connu au café. Et trois colombes, on se sentait seul au monde. Mademoiselle? Deux cafés, s'il vous plaît. Deux cafés, s'il te plaît, là. Je suis au café avec Marie-Made. T'inquiète pas, tout sera prêt pour ce soir. Pour la belle. De café pour la belle. Oui, le traiteur vient. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Allô, Marie, enfin, mais... Ben, comme ça, tout baigne, alors. Marie, réponds-moi. Éponge. Mignonne, allons voir si l'éponge, qui ce soir ne sera plus qu'un joli songe, me permettra d'essuyer cette tache de café. Ah, de la belle, glanée à un baiser passionné. J'ai pas eu le temps de voir celui qu'on m'avait servi. Un café, tu parles. C'est pas d'un café, c'est d'un cognac dont j'ai besoin. T'as raison, va pour le cognac. Ça va te remettre les idées en place. Marie-Made, je t'assure. Qui ça peut être? Comment veux-tu que je le sache? Je suis Monsieur Soufflet et je viens révolutionner votre intérieur grâce à cette machine qui sait tout faire. Aspirateur, musique, Hans-Bert, la machine parle. Demain, dès l'aube, les poings dans les poches creuses. Machine à café, téléphone. La machine se connecte à l'ensemble des appareils de la maison. Un petit écran vous permet même de suivre vos émissions de télé préférées. Mais il va falloir que je rentre chez vous, petite madame. Car la liste des qualités de cette machine est trop longue pour être énumérée. Éponge. Je vois que je vous... Oh. Attendez, j'ai un malentendu. C'est certainement pas ma machine qui fait ça. T'as vu, ça fait deux fois aujourd'hui. Marie, qu'est-ce que tu fais comme ça? T'as vu, c'est comme tout à l'heure. Attends, tu me fais une farce? Tu crois vraiment que j'ai l'air de plaisanter, là? Ça va tâcher ma table. Oui, je vais essayer.
t'a dit deux fois. Attends, bouge pas. T'es prête? Oh ben ça alors! T'as compris le truc? Regarde! Ça va, j'ai compris. En revers, t'es à poil, on essuie, t'es rhabillée, c'est génial! Mais pourquoi? Ben ça... Marie-Mat ce soir avec le monde qu'il va y avoir. C'est vrai ça, faut annuler? On peut pas annuler, Thomas est déjà en route. C'est pas possible, c'est un cauchemar. En espérant que tes invités soient plus adroits que la moyenne et qu'ils renversent rien. Tu vas voir que comme un fait exprès, Thomas va arriver au dernier moment. Oui, bah prépare-toi en attendant. Tadam! Il te reste à peine 20 minutes. Tadam! Bonsoir, Marie-Madeleine. Bonsoir, Thomas. On a cru que vous n'arriveriez jamais. Moi non plus. Il y avait un accident sur l'autoroute. Où est Marie? Dans la chambre. Elle se prépare. Bien. Attention! Pardon? Non, rien. Mais bien sûr, madame. Mais madame, enfin chérie, t'es pas encore habillée. Que madame m'excuse, mais je ne comprends pas. Chut. Ce vin est bon, je vous assure. Dépêche-toi. Ils vont tous arriver d'un moment à l'autre. Marie, tu m'entends? T'as vu l'heure? J'ai même pas le temps de prendre une douche, moi. Thomas, faut absolument que je te parle. C'est pas le moment. Non, mais bougez pas! Je t'en prie. Faut absolument que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh zut, c'est foutu! Et voilà. C'était à prévoir. Bon ben, vous pouvez essuyer. Bon, allez, dépêche-toi de t'habiller. Foutu. On se dira tout à l'heure. Pourquoi? C'est une méthode que madame n'a pas besoin d'avoir avec moi. Enfin, je veux dire... J'ai vu beaucoup de choses. Ah bon? Si je plais à madame, il n'est pas utile que madame se mette en frais pour... Pour...
détente, l'exactitude et la politesse des rois. Bonsoir, Thomas. Comment allez-vous? Monsieur le gendre, madame, bonsoir. Soyez les bienvenus. Vous êtes les premiers, ma femme n'est même pas encore prête. Ah vous bon? Pouvez l'excuser. Tant que vous êtes mauvaise langue, Thomas. Ah. Oh, votre femme est charmante. Mes hommages, chère petite madame. Monsieur, merci. Bonsoir. Enchantée, madame. Tenez. Thomas. Vous n'en voulez pas de ma bouteille? Si, si, excusez-moi. C'est du bon. Mais il vaut mieux le déboucher 24 heures avant. C'est pas pour ce soir. Comme dit celui de la télé, ça n'est pas une bouteille à boire avec du pâté. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver l'appartement? Oh, du tout, du tout. Excusez-moi. Ah, bonsoir. C'est ah, le genre. Marie-Madeleine. Bonsoir, monsieur. Alors le jeune homme essaie ses nouvelles bottes, tout nu devant le miroir. Il dit à sa femme, elles sont superbes. Même ma zigounette les regarde. Et sa femme lui répond, la prochaine fois, jette-toi donc une casquette. C'est savoureux, ça. Tu peux pas savoir. Bah écoute, apparemment tout se passe bien. Bon, je te laisse, hein. J'ai peur qu'il pleuve. Ça va? Oui. T'as pas l'air dans ton assiette. J'ai demandé au traiteur de servir le gâteau. Tu veux que j'aille à ta place? Non, j'y vais. Servir le gâteau. Bien, madame. C'est presque prêt. Thomas, tu veux bien aller me chercher un petit peu d'eau, s'il te plaît? Oui, oui, je vais te chercher ça. Ah, tiens, on va tout à l'heure. Oh, mais des choses très, très intéressantes. Oh bah c'est pas grave, c'est pas du gros rouge qui tâche. Bon bah je vais prévenir. Mais Marie. Thomas, excusez-moi, il faudrait une éponge parce qu'on a renversé un verre de champ. Oh. 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 Thomas, je t'explique. Je crois que oui. Mon Dieu, Marie! Oh! Qu'est-ce que vous vous foutez là? Vous pouvez aller ramasser le champagne, un verre qui est tombé. C'est à cause des verres.
quoi? Oui, c'est à cause des verres. Dès qu'un verre se renverse, pouf, je suis... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai, Thomas. Et dès qu'on aura essuyé, elle sera habillée de nouveau. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes aujourd'hui? Vous vous foutez de ma gueule? Ah, mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Je sais que c'est difficile à croire, mais bon, voilà. Marie-Madeleine, je sais que Marie est votre amie, mais enfin... Thomas, tout à l'heure dans la chambre, j'ai bien essayé de te parler. T'as pas voulu écouter. Alors, je reviens de la cuisine, la maîtresse de maison était nue. Oh. Alors écoute, je ne comprends absolument pas ce qui m'arrive, mais c'est comme ça, faut me croire, c'est tout. Oh, quelle histoire, mais quelle histoire! C'est dur d'être beau. Dites, vous feriez mieux d'éponger là, non? Oui. Oh, entièrement nu. Et sinon, comment j'aurais fait pour te rejoindre si vite pour accueillir les Legendrins? Ah, eh bien, c'était pas possible. C'est ridicule. Thomas, je vous assure qu'elle dit vrai. Tiens, vous qui êtes si malin, ils sont passés où, ces vêtements? Oh, c'est ça. Je vais te chercher des vêtements, comme ça tu pourras te rhabiller. Mais non, mais Thomas, c'est pas la peine. Je me dis que dès qu'on aura essuyé, elle sera rhabillée. Marie-Madeleine... ça va. Ça va. Tu crois qu'il t'a cru? Pas du tout. Écoutez, je vous en prie. Mais ce n'est rien. Moi, les femmes, je ne leur demande pas tant. Il faut toujours qu'elle nage dans l'excessif. Tu sais que j'en ai vraiment marre. Mais vraiment. Thomas, tu ne me crois pas? Marie... S'il te plaît. Renverse-le toi-même, tu verras bien. Puisque j'ai des bêtises, tu risques rien. Écoute, Marie... Tu ne me crois pas? Regarde. Marie, écoute. Première.